Je m'appelle Khaled Youssef, je suis franco-syrien, je suis médecin, chirurgien et par ailleurs je suis photographe. J'essaie de voir le monde d'une autre façon et je reviens dans ma ville de cœur à Lyon pour essayer de la voir autrement à travers l'objectif et la légèreté d'une bulle de savon. L'idée aussi c'est de mettre les monuments dans les bulles de savon, donc essayer de les enfermer dans une bulle. Ça rappelle un petit peu les boules à neige qu'on aimait bien quand on était petit, qui restent maintenant un truc de souvenir. J'essaie de les enfermer à travers leurs reflets. Souvent, ça fait un yin et yang, un reflet asymétrique, complètement atypique. Ça déforme un petit peu le monument dans la convexité de la bulle et ça donne une autre dimension. C'était comme un défi de vouloir essayer de capter ce moment, de vraiment de capturer la bulle. Peut-être ça vient un petit peu de l'idée de sortir de sa bulle, rentrer dans sa bulle au départ. À un moment donné, quand je suis en train de faire ça, je suis un peu dans ma bulle. Et puis après, je retourne à mon métier donc de médecin et je rentre dans une autre bulle ou bien je sors de ma première bulle qui est la photo, le partage, l'éphémère, la fragilité. Et beaucoup d'enfance en fait. J'ai fait ça jusqu'à maintenant dans 30 endroits différents de ce beau monde, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Et j'espère pouvoir continuer encore parce que l'idée c'est que cette bulle va voyager d'un endroit à l'autre et la porte, elle essaie de refléter tout le monde d'une façon différente et probablement finir, j'espère un jour, en Syrie. En apportant justement l'espoir et le rêve et la paix.